Tu t'intéresses en tout cas ici? J'étais faite pour voler. Terre poussiéreuse. Where the fuck am I? Ok, il y a une place en haut que je peux aller. Quelqu'un en dedans? Hello. Pas là d'avoir personne. Pour monter là. Je vais découper le petit toutou. La bille. Merci les amis. Il boit un Carl. Vite tabarnak. Savoir ce qui se passe. Power Jagger Frag Grenade. La cachette à aller chercher, puis c'est tout. Des roches spéciales extraterrestres.
Ouais, pour tuer des skags pendant 2 heures, c'est bien la place pour être là. Incroyable. On a quasiment tout exploré la map. Ça a pris même pas une heure. Je sais qu'on pourra progresser, faire des side quests, puis. Correct parce que je veux pas juste faire de ça, là. Je veux pas juste faire d'exploration en soi. Là. Ok, on va se trouver un véhicule, quelque chose. Bon, un véhicule quelque part ici, non? God damn! Mon char là-bas. On va juste à trouver le truc de typhon. On est capable. Ça a l'air dans les têtes, dans les bas-fonds, je sais pas trop. Ce trou. Est-ce que je vois des affaires qui m'intéressent? Je vais prendre ce qui est bleu aussi. Mais je suis très déçu. Bon, parfait. Donc on peut pas aller tout de suite parce que c'est vraiment débloquable en faisant des side quests ou whatever. Nope. Ça va être probablement une quête principale. Ok. On a tout fait la map pas mal. On peut se rendre là. Il y aura sûrement un autre truc de déportation là-bas. Puis ça a l'air d'être une ville importante. Repos de Roland. Good lord, il y a plein d'affaires. Je fais pour aller au repos de Roland. Où sont les escaliers? Là. Bonjour. Oh, une machine. Puisse-t-elle t'offrir de nombreuses victimes? Ici, on ne juge pas. Prenez le bus et venez chez Marcus. As-tu des side quests, y'en v'là? Donc j'allais voir Vong. Vong? Comment il s'appelle? Vong? Cicatrice sableuse. Ah,
Ah, ils ont fait une statue de... de Roland. C'est intéressant. Ça. Happy Hunting in Heaven Roll. Happy Hunting in Heaven Roll. A True Legend Roll. Love. Fan. Go Fast. Thank you, Roland. Tina. Miss you, Bud. Say hey to Bloodwind for me. Crimson Raiders forever. The slab earned his wing. Scooter Basby taking care of you, Ellie. We miss you, Roland. Town of Roland Arrest. Sup, miss you. Lil. Ah, Lily. I miss you this much, your biggest fan. Love, fan. Le petit hommage au personnage, c'est bien. Retourner à la Sanctuary, par exemple. Okay, fait que là, on a exploré toute la zone. C'est vraiment une side quest, ça. Labradortia. Skin pour sirène. C'est bien spécial, ça. Labradortia. Oh, je suis sapé comme jamais. Techniquement, c'est pas moi qui tue le Bojack. Je mérite pas un trophée de Bojack. Mais... on a débloqué quelque chose. N'est-ce pas? Le masque de brailleur, ça c'est nice. On l'a eu. Un petit big up à Claptrap. Mais non, je déconne. Non, en fait, non, je déconne pas. C'est cool, Claptrap! Mais fais gaffe quand même aux escaliers, mon poteau! J'ai un truc pour toi! Mon pied au derge! Tiens, on a toutes les pendentifs. Maintenant, les skins d'armes qui nous restent. Oh non, il y a des décorations aussi qu'on n'a pas. Holy shit! Mais c'est bien coûteux, ça. Préservateur de vie.
tueur d'insectes. Trophée obtenu, qu'est-ce que tu veux? Lame de Buzz Axe. Affiche Jacobs. Elle a pas mal, mais on peut toutes les acheter. Force de jouer. Il y a effectivement une side quest. Ça paraît pas dans la map. Seulement quand je suis en bas. Du coup, tu vas avoir le temps d'écouter ma mixtape. Parfait! Tu peux maintenant grimper les escaliers. Ce qui te rend très légèrement supérieur à moi, mais juste pour ça. Oui, pour ça, ça. Mais bon, les escaliers, c'est quand même beaucoup moins bien que les rampes. Oh, c'est exactement ce que je ressens moi aussi. Toi, au moins, tu me comprends. Encore une annonce du bon club qui remonte. Neutralité de l'éconnec. Annonce du bon club. Détruisez un appareil qui parasite les connexions de l'éconnec. Encore une annonce du bon club qui remonte encore à 7 ans. Le seigneur d'Escag a besoin de ton aide pour sauver Pandore de la tyrannie du TAC ou je sais pas quoi. Va voir si c'est toujours valable. Ok. Parler à Ed Gran. Ok. Ah, oh, c'était pas mal doux dans la place avec les ordi. On est en mode side quest. Un chasseur de l'arche? Je sais pas ce que tu veux, mais c'était pas moi. Ou sauf si c'était un truc cool, c'était moi. Je cherche le seigneur d'Escag. Ça doit faire 7 ans que j'ai pas entendu ce nom-là. Ah, tu parles d'un lag. Aujourd'hui, on m'appelle juste Edgron. Mais Pandore est toujours en proie à la tyrannie. Je veux parler du crime le plus terrible de tous les temps, la limitation de bande passante. Y a un central éconnet d'Hyperion dans le coin. Rends-toi là-bas et fracasse le limiteur. Ok. À la grande époque, on me surnommait le seigneur des Skag. Eh ouais, t'es en présence de l'ancien champion pro-gamer de Pandore. À 14 ans, je tutoyais déjà les sommets. Alors tu tues des faux gens pour la gloire. Et moi qui me fais chier en tuer des vrais. C'est un choix de carrière honorable. Mais bref, j'étais le meilleur. Encore plus fort que le beau Jack en personne. Mais ce gros acharné avait horreur de se faire latter par des mouflets, alors il a installé un écolimiteur, Luctac, pour favoriser sa connexion et ralentir celle des autres. Je te parle d'un lag en millisecondes. Ah, un véritable massacre. Central Éconnet, Central Éconnet. Luctac est quelque part à l'intérieur. Fais gaffe. Ça grouille de descendants par ici. Fort probablement. Je peux déjà rentrer là. Luctac. Encore plus énervé que ce que j'imaginais. Bousille-moi ce bidule que je récupère enfin ma vitesse de connexion. Contre ça. Mais je connais quelqu'un qui en a le pouvoir. Le rapace de l'arche vient s'en prendre à Luctac, notre divin distributeur de ping. Faites-lui la peau, mes frères et mes sœurs. Repousse-les, chasseurs de l'arche. On va les tuer. Ok, je vais te faire. Que tu t'es échauffé. On se détend. Je ne baisse jamais les bras. Qu'est-ce qui me taille dessus? Ah, c'est toi. Le seigneur d'Escag est de retour en ligne. Autrefois, je poutrais pour la gloire. Aujourd'hui, je fraque pour la liberté. Nous
restaurons la bande passante sur Condor. Les mêmes avariés vieux de 10 secondes, on n'en veut plus. Sans même, comment savoir ce qui est drôle ou pas? Condor ne recevra que les mêmes les plus hype, genre Jamil de blues. À quoi ça sert de porter de blues, hein? Non? Ok, même regard, c'est malaisant, hein? Maudit sois-tu, Uptac! C'est exactement de ça que je parlais! Une seconde. Là, je vois un gars qui fait le poirier avec un bouchon dans le cul où c'est écrit « Champagne Brute ». Que ça, il y a une seconde. Quasiment niveau 40. Je lutte sur le champ de bataille virtuel et toi dans le monde de la bioche. Ensemble, nous allons lancer une attaque dénie de bouclier. Tu dois ouvrir les ports autour du central Econet, que je puisse me brancher et inonder le bouclier. Je dois récupérer les mêmes, les plus hype, pour surcharger le bouclier de Tuk-Tak. Que des trucs tendance. Ok, let's go. On va tailler de l'hérité. Premier port libéré. Uptac perd de son emprise. Je viens de trouver une photo de Monsieur Tank. Il est sûr que son visage est à l'envers. Excellent, mec. Un de moins. Tu cartonnes. Ce même dit juste devenir un crâne. On va faire ça vite, ok? Les vagues contre les rochers. C'est la vie. Dark. Lieberman. Pour libérer. J'ai un nouveau même. C'est un bébé en antimatière. Il veut toucher tout ce qui bouge. Non, non, t'approches pas de mes mères. C'est vraiment tout ce que tu sais faire? Moi je tire et toi tu crèves. Dégagé! Transfert de la bande ultra-même!
comment ça, Uktak? Le gorille est trop fort pour lui. Porte ses pompes. Cousine Uktak, chasseur de l'arche. De la viande fraîche. Allô? Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort. T'es elle? Toute transparence, chasseur de l'arche. Je comptais pas me remettre au pro-gaming. J'ai pris de l'âge, j'ai plus 14 ans. Aujourd'hui, je gagne ma vie en minant des bécocofrettes. C'est une crypto-monnaie, rien de ouf. C'est cool. Pas le temps de t'expliquer comment ça marche, mais maintenant que ma bande passante a repris du poil de la bête, je vais être pété de thunes. Merci, chasseur de l'arche. Je vais me faire tellement de fric avec ma crypto-monnaie. Du coup, tu veux bien me débarrasser de tous ces vieux billets tout pourris? Comme si j'allais en avoir besoin. Mmh. Tout à fait. Ce qu'on a débloqué, un snipe. Le two time. Voir si social je veux juste voir si Claptrap n'a pas une autre side quest au cas où, mais non, il n'y a pas l'air. Ok, donc là on a plusieurs side quests qu'on peut faire. Je vais aller vous fight Tina. C'est la sortie. Boom boom down, c'est ça? Aider l'équipe B à défendre sa nouvelle base. Mon doux, mon délicieux petit bric-à-brac est coincé. Il doit maintenir cette porte fermée parce que les DDA s'infiltrent à Boomtown par ce tunnel. Je te mens pas, par centaines, tas de cons. Et moi, j'essaie de l'aider d'ici en faisant péter tout le machin. Mais Miss Boom Duba s'est coincé son gros boulard et je peux pas la déloger. Alors j'ai besoin que tu la fasses descendre. T'es là, grouille-toi de faire s'effondrer le tunnel. Je vais pas pouvoir les retenir longtemps. J'en fais ce que je peux. Nom d'une pipette. Ok, on va monter, probablement. Pilonner la bombe. Et où la bombe? Oh! Ok, qui est pilonné. Ok, moi je viens de comprendre. Seconde. Ok! Merde.
va falloir employer la manière forte. Minus, tu vas devoir descendre dans le tunnel et... tirer sur la Miss jusqu'à ce qu'elle explose, ok? Mais ça veut dire qu'on va devoir ouvrir le tunnel, non? Il est rempli de descendants! Je sais ce que je fais, alors obéis! Et puis bon, c'est pas les DDA qui vont nous faire peur. Trop fastoche, on se les fait. Je suis prête à me battre. Ok, alors c'est parti! Je sais pas qu'est-ce qu'il va se passer. 3, 2, baston! Génial! T'as roulé sur les TDA comme une vraie brutasse! Les gars! La base s'est fait attaquer pendant que vous jouiez à tout péter dans le tunnel. Je pensais pouvoir les repousser, mais ça devient chaud. C'était quoi ça? Vite, chasseur de l'arche! Mordecai est en danger! On y va! On va sauver Boomtown! Boomtown? Je croyais qu'on appelait la base la forteresse. C'est con comme une nouille! On va l'appeler Boomtown! Parce que je l'ai décrété! Et parce que j'ai déjà fait un panneau. Je vois pas pourquoi ce serait toi qui... Boomtown. Wow. Denai. Un combat, rien que pour moi. Oh, allez pas. C'était les derniers. Beau travail, chasseur de l'arche. La forteresse est sécurisée. Boomtown. Boomtown. Tu trouveras pas meilleure balle que celle de Marcus. Ici, on ne juge pas. C'est clairement pas juste ça, ta quête, là. Encore une mission réussie grâce à mes superbes prouesses explosivo-bombastiques. Surtout ne me remerciez pas. On les a bien défoncés, chasseurs de l'arche. Et on a repris Boomtown. C'est top. Morty, arrête de me copier. De quoi? Mais je croyais que c'était un petit truc entre nous, ça. Eh ben non. Ouais, Morty, on te dit que non. What the fuck? Mais non, allez, on déconne. C'est cool, monsieur Zozio. Monsieur Zozio. Encore plus de sidequests. Alors c'est bon, tu t'accroches? Shiga est trop bien, et l'ex de Tina veut pas lui rendre son petit chouchou, Enrique 4. Alors c'est bon, tu t'accroches? Ok, donc j'avais besoin de quelqu'un pour garder mon choupiné d'amour tout poilu, Enrique 4e du nom. Et j'ai cru que ce serait une bonne idée de le confier à Shiga, mon ex-sexy. Sauf que là, elle refuse de me le rendre! Mais je n'en veux pas. Je crois qu'elle fait une grosse déprime en ce moment, rapport au fait que j'ai laissé tomber son cul fripé. Mais du coup, elle se raccroche au doux câlinou de mon Enrique. Alors tiens, prends ces jolis petits cœurs décoratifs et on va aller récupérer mon scagounet. Prendre des décorations. Ok, okay, super. Maintenant, rends-toi à la casa de Shiga et on la fera exploser de joie. Au sens figuré, hein, pop. Non, surtout pas. Je voudrais régler ça dans la bonne humeur pour changer. Qu'est-ce développement qu'il y a, ça... de personnage, ma couille.
promesse de plus jamais perdre un Enrique. Oh, pleure pas, Tina. Parce qu'Enrique 2, le pauvre, s'est fait bouffer par un stack plus gros et... Oh, relou. Et puis, Enrique 3, lui est mort chez le maraîcher Pio. J'ai pas envie d'en parler. Il n'y a pas de hockey, t'en sais. Juste que tu me croiseras plus jamais avec une boîte à bière. Ok. Là, on s'en va sauver Enrique 4. Je pense que je sais c'est où en fait. Là. Ou je t'explose les gencives. Ah, pardon, je suis allé un peu fort. Non, rends-nous le skag, c'est tout. D'accord, sacrifice quand même. À l'attaque. Chica, rends-moi mon Enrique d'amour. Et je rappelle mon architecte paysagiste radical, ok? Tous les skags que t'as adoptés ont crevé. Enrique sera bien mieux avec moi. Oh, elle a vraiment... Ok, j'ai tout fait pour régler ça à la... Toujours un plan B, B comme bon bébé. D'abord, frappe dans ce cœur, et ensuite tire à frapper Shiga dans son cœur. Bien. Va peut-être pas loin reculer. Okay. Allez, entre et retrouve mon adorable petit chou à la crème, Enrico Amore. Et si Shiga touche à la moindre petite écaille d'amour des petites fesses d'amour de mon petit skag d'amour, je lui arrache le visage et je lui enfonce tout au fond du gosier. Et ensuite, je prendrai son gosier et je le mettrai dans une bombe et j'enverrai la bombe dans l'espace. Sure. Il est calé à chaque dans Henri 4. Ok. C'est un des méchants skags de Shiga. T'es nul, tu meurs. Oh. Les skags sont mauvais comme la peste. Trop de... Oh mon dieu! Oh mon sac à papouille tout potelé! Oh, est-ce qu'il est pas soupi, Max? Oh, j'adore cette petite trogne! Va chercher... On va chercher des gourmandises pour mon petit bouchon, ok? On laissera plus Shiga te faire du mal. Je te le promets. Yam. Vilain, Enrique. T'as dit quoi, là? C'est pas un vilain. C'est mon piquet. Mon petit minouche. Vilain skag. Elle a fait du mal à mon Enrique. Ok, ça suffit. Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Oh shit, on est stuck. Why? Choisis-tu ses ex? J'ai pas tout envie de tuer là. On est plus forts ensemble. La plupart du temps. J'ai une petite trotte à faire, j'aurais dû prendre mon char. Époque, camarades, où les amis se transforment en ennemis et où les pétasses prennent les skags en otage. Enfin bref, voilà ta récompense. Maintenant, laisse-moi mes calinous. C'est qui le gentil pilou doudou? C'est toi? C'est toi? Oh, mais oui, c'est toi, Enrique, avec tes petites papas jolies. Tu m'as tellement manqué. C'est qui le plus choupi? Oh, c'est pas possible d'être aussi choupi! Oh, regardez-moi cette petite boubouille! Oh, tu l'as eu où, ta petite boubouille? T'as découpé un skag et tu lui as volé sa jolie boubouille? Tu lui as mutilé son âme? Hein? Hein? Bon, c'est toi qui as mangé tous les trognons, moi, jusqu'à se transformer en trognon le plus trognon! Oh, mais oui, c'est toi! Mais oui, c'est toi, mon petit boutier! Oh, t'es tellement mignon! Je vais te croquer tout cru! Mais oui! J'avais commencé par tes tout petits orteils, avec tes toutes petites épiches et une toute petite réduction balsamique. Et je vais te mettre dans un tout petit four et te faire rôtir à 180 degrés. Et puis je vais te dévorer tout entier. Oula, je suis allée un peu loin. Pourquoi je veux toujours manger les trucs mignons? Tu crois que je devrais consulter? Même si c'est juste un petit bout? Un petit bout de rien du tout. Nya 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 nya. Je vais t'attraper. Ok. On va laisser ça là. On va laisser ça là. Ok, toi t'as une job aussi. J'ai un service à te demander. Le sens de la fête. Mordecai vous confie à l'anniversaire d'une petite fille. Vous savez carrément l'invité d'honneur. Hé, hey, chasseur de l'arche. Coupo. Tu veux bien venir à une fête d'anniversaire avec moi? La gamine s'appelle Grace. Elle adore les chasseurs de l'arche. Alors je me dis que si on débarque toi et moi, sa petite tête va exploser. Attrape ces fleurs qui poussent sur le plateau en chemin et viens me rejoindre à la fête. Des fleurs. Ok. Depuis qu'on a tué Jack, je pense pas mal aux pillards écarlates et aux chasseurs de l'arche comme nous. Je veux dire, c'est un peu grâce à nous que la planète tient encore debout, tu vois. Mmh.
Hey boy, il y en a partout des fleurs à trouver. Ok, parfait. Ok, on en a une. Je vais t'arrêter de faire un level up, sérieusement. Oh, niveau 39, nice. De compétences. Je voulais mettre ça ici. Pour que j'ai débloqué ça ici. Les ennemis blessés par la compétence d'action de Marov sont verrouillés jusqu'à ce qu'ils soient blessés ou que le. Parfait. Ça, je vais aller me concentrer dans le rouge. J'ai appris à Grace à tirer, à pister, à chasser. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de commencer à former une nouvelle génération de chasseurs de l'arche. C'est de la graine de Brutasse, cette petite. Tu vas voir. Alors, on va aimer ça, cette petite fleur là, petite. Belle petite fleur là. Super, t'as trouvé les fleurs. Je suis presque à la fête. Je voulais arriver tôt pour abattre des racks avec Grace. Apporte ces fleurs, la petite les adore. On est arrivé. Fait que c'est bien ça que je voulais faire. Ça. Après ça, là, je me concentre pour. Je m'appelle Ben. Ça, là, ça. Ça, lien magique. Parfait. Mon build a l'air de commencer à avoir du sens. Merde, je savais pas. Grace est morte pendant que j'étais sur Eden 6. Tué par des sales gosses. Je déteste cette planète, putain. Bon, donne-lui les fleurs, ok? J'ai besoin d'une minute. Nice. Elle est morte. Eh ben ça alors! D'autres chasseurs de l'arche pour ma petite Grace. Si elle était en vie, elle ferait pleuvoir les balles de bonheur. Venez donc par ici qu'on discute un peu. La mort de Grace a fait un sacré choc à Mordecai, mais comme j'arrête pas de lui dire, on n'est pas là pour pleurer. C'est pas ça que la petite aurait voulu. Ma petite Grace, c'est les sales gosses qui me l'ont pris. Ça lui aurait fait bien plaisir de vous voir ici. C'est-tu un Skag ennemi ? The fuck ? Alors c'est parti pour la fête. Je nous ai préparé tous les jeux préférés de Grace. Tiens, d'ailleurs, j'avais acheté un super pistolet Jacobs. C'était pour lui offrir. Mais si vous arrivez à battre ses records, vous pourrez l'avoir. Sinon, j'irai l'enterrer avec ma petite tasse de la gâchette. Allez, c'est l'heure de manger le gâteau. Ça vous dit un petit concours de dégustation, chasseur de l'arche? Je peux faire un petit écart. Wouhou!
Ma petite gobait du gâteau comme si elle avait un ténia. L'an dernier, elle s'en est enfilée 11 parts entières. Je parie que vous pourrez pas faire mieux, chasseur de l'arche. Attention, Grace. Je crois que quelqu'un essaie de te voler ta couronne. Eh ben, quel appétit, chasseur de l'arche. Vous tenez tant que ça à battre le record de ma petite Grace? C'est très courageux. Lâche ce gâteau. Tu peux pas faire ça, Hirshim. On le fait dessus. Allez, je vois ce que ça donne. Vous avez encore faim, chasseur de l'arche? Méfiez-vous, ce serait dommage de devoir vous faire vomir. C'est le dernier morceau? Devait donner quelque chose de faire ça, je veux dire. Sinon, c'est sûr que c'est plate, là. La petite fille est morte. Doit être en dedans quelque part. Bon, vous avez battu le record de ma petite Grace. Voyez-vous ça? C'est malheureux, elle aura plus jamais la chance de reprendre son titre. Saleté de sale gosse. Chasseur de l'arche, c'est pas cool. Très bien, écoutez. Si ma petite Grace était encore en vie, et pas à 6 pieds sous terre, elle vous aurait proposé un petit concours de lancer de grenades. Suivez-moi jusqu'au terrain. Grace avait le meilleur lancer de toutes les lames diaboliques. Son record est de 50 points tout rond. Bonne chance pour le battre, chasseur de l'arche. Petit Bobby le pied tendre n'a pas envie que vous battiez le score de Grace. Vous avez une belle audace, chasseur de l'arche. Débarquer comme ça pour l'anniversaire d'une fille morte et s'en prendre à son record. Enfin, bon, Grace était pareille. Elle aussi, elle avait de l'audace. Eh ben, j'ai mal choisi ma décennie pour arrêter de boire. Ah, bon, enfin... Je suppose qu'il faut savoir s'y prendre à la grenade si on veut survivre par les temps qui courent. Ouais, chasseur de l'arche. Si j'avais appris à Grace à lancer comme vous, elle serait peut-être encore en vie. Et maintenant, au stand de tir. Le record de ma Grace au stand de tir est imbattable. Elle était fière. Peut-être même trop. C'est peut-être pour ça qu'elle a cru pouvoir aller sur le plateau toute seule. Pour chasser des sales gosses, au lieu d'écouter son vieux père. Enfin, bref. Au travail. Il plaisante pas. Elle était douée. Vraiment douée. Elle serait même sûrement devenue meilleure que moi en grandissant. Que plein d'être de merde, des fois. Tu sais quoi? Je vais jouer aussi cette fois. On va voir si tu tiens le choc face à la compétition. Que ça. J'ai pas de la misère. Jamais 30 secondes.
ralentir un peu. Et tu devrais faire pareil. Ouh ! Continuez comme ça, et vous allez complètement effacer le record de Grace. C'est vrai que ce serait... impressionnant. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Qu'est-ce pas faisable, c'est... Je savais que les chasseurs de l'arche étaient redoutables, mais j'aurais pas cru qu'ils avaient un cœur comme ça. Allez-y, donnez un bon coup dans la piñata, vous l'avez mérité. Wouh, quelle ambiance! Je salue votre classe, chasseurs de l'arche. C'est gentil d'avoir préservé les records de Grace. Comme ça, elle reste encore un peu là. Et puis ça m'a fait réfléchir. Je crois que vous avez bien mérité ce pistolet. Je vous souhaite bonne chasse. Rendez hommage à ma petite Grace en allant tuer des sales gosses. Bravo, chasseur de l'arche. Oh. Le Death Story Amazing Grace. 391. Ok, donc là, je crois qu'on a fini avec les quêtes pour... ce zone-là. Ben, le coin à... voyons, c'est pas comprendre. Là. Et maintenant, casse-toi! Les balles vont pas se tirer toutes seules! Quoi comme ça, quoi ça nous reste le truc musclé, cinéaste mais musclé. Faible et furieux, puis le dynastie d'âge pendant que je ferai pas. Faible et furieux. Ok, on va faire ça au prochain épisode. Donc je vous dis merci d'avoir été là tout le monde, pika pika à tous, et à la prochaine.